Bienvenue à la famille. Beauté. Montagne. Vie. Contemplation. Exercice spirituel. Nature. La fontaine. Jardin. Moi, je me retrouve bien dans ces mots. Joie, vie. Montagne. Exercice spirituel. Ça, c'est tout Saint-Hugues. Oui. Et Saint-Hugues, c'est votre maison, la maison de la communauté Vie Chrétienne, engagée de manière très, très volontaire aujourd'hui dans la conversion écologique au sens de Laudato Si. Et en plus, une maison qui est totalement ouverte sur le monde d'aujourd'hui. Alors ouverte justement par cette dimension écologique qui vient rejoindre plein de gens et des gens qui sont aux frontières. Et c'est quelque chose qui me marque à Saint-Hugues, c'est à quel point on accueille des personnes vraiment de tout horizon, des gens qui sont près ou loin de l'Église, des gens de toute sensibilité Église, et qui viennent goûter à notre spiritualité ignatienne, et auxquelles on peut goûter quand on est de CVX, et c'est votre maison pour y venir, pour en bénéficier, mais aussi votre maison pour venir au service, pour, avec nous, offrir à d'autres cette spiritualité qui nous fait vivre. Voilà. Et le confinement a été une chance pour nous, puisque ça nous a permis d'être davantage au service des compagnons, d'un plus grand nombre de compagnons, en animant par des réunions Zoom, des réunions régionales en Bretagne, en Île-de-France et dans d'autres endroits. Et pour les jeunes? Alors oui, pour les jeunes et pas que les jeunes d'ailleurs. Ce qu'on a vraiment remarqué, c'est comment à travers toute cette période Covid compliquée, c'était l'occasion de beaucoup plus de personnes qui sont en recherche de sens et donc qui sont venues à Saint-Hugues. Et alors en particulier les jeunes, on remarque vraiment d'avoir davantage de jeunes qui viennent ici en recherche, en discernement. Et on est très heureux de pouvoir leur offrir tout ce qu'on peut leur offrir de nos outils ignatiens pour ce discernement au moment de leur jeunesse où ils ont tant de choix à faire.